Kinshasa placé en quarantaine. Interdiction d'y entrer et d'en sortir en raison de l'épidémie de coronavirus. Les frontières du pays sont désormais fermées. Face aux difficultés de la vie, à l'angoisse et aux doutes que souvent celle-ci suscite, qu'elle se souvienne que rien n'est impossible à celui ou celle qui croit en Dieu, en son pays et en lui-même. Mensonge de la Congolaise Bijou Ngoya, parce que c'est d'elle qu'il s'agit. Elle a parlé de la frontière qu'on avait fermée. Suivez, s'il vous plaît. Elle a dit que c'est le gouverneur qui avait fermé la frontière pour que la farine ne passe pas. Le gouverneur ne peut jamais fermer la frontière. Et moi-même, en ce temps-là, j'étais en Zambie. Et d'ailleurs, pour avoir même acheté un sac de farine, je n'ai pas pu le faire. Pourquoi? Parce que c'était vraiment interdit par le gouvernement zambien lui-même. Alors, quand elle dit que la frontière était fermée, ça, c'est du mensonge pur et simple par la Congolaise Bijou Ngoya, parce que c'est d'elle qu'il s'agit. Il faut citer son nom parce que elle, dans ses déclarations, elle a cité le nom du gouverneur Moïse Katumbi. Au Sénat. Je voulais encore dire que elle... Et encore, vous allez dire Kyungo a dit Kyungo. Vous voyez ça? C'est de la provocation. Elle ne fait qu'à nous provoquer ici. Une fois, elle était venue ici pour dire que nous sommes les cobayes du gouvernement, non de l'Assemblée provinciale. Alors, pour le moment, trop c'est trop. Et je crois qu'on va la répondre correctement. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci, Président, de m'avoir accordé la parole. En fait, moi, je pars d'abord du rôle même, du rôle même du sénateur. Je vais, collègue. Le sénateur a le grand rôle à jouer au niveau national. Il doit représenter sa province. Mais au lieu, moi ce que je ne comprends pas, au lieu que les sénateurs que nous avons envoyés là-bas se mettent à défendre leur province, au contraire, ils sont en train de discréditer leur province. Nous, les députés provinciaux, nous sommes leurs électeurs. Et ils nous doivent un peu de respect. Et ils doivent travailler en... On doit mettre sur pied un état de droit. Au nom du Père. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Du Fils. Et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mboke Beba? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Mais toi, tu crois que Balandi en a besoin. Nous y avons cru. Mais ce que Mokonzi a lobé, c'est que tu vas en prison. Nous y voilà. État de droit. Thank you.
Bande konangai. Nangonga oyo mokili mobimba etungisami na bokono mabe ebengami na kombo ya coronavirus. Esengeli ete biso banson teyo ke la bizaleli malamu pona ete tolonga bokono mabe oyo ezali kobeta mokili mobimba. Tosukula maboko na sabuni ngonga moko na tango tope to salela désinfectant. Kopesa moninga mbote na maboko te. Salela muswale ya usage unique. Zipa monoko tango ozali kokosola. Zala na distance ya 1 mètre na baninga bazali ndinga ndinga nayo. Sima ya kosalela muswale bwaka yango na fulu. Tika komisimba elongi. Zolo na miso pamba pamba. Tika. Lata maske ya bosaleli mbala moko soki oza na bokono tope obandi kozala na yango tope okutanaki na ndeko oyo aza na yango. Vanda na ndako bima kaka na tina. Na lobi ndeko vanda na ndako. Totosa mibeko epesami na tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe na bakambi ya OMS na bandeko oyo bazali komema riposte contre bokono ya mabe wana. Panda sango nzinga nzinga na yo na bandeko nyonso na oyo etali hygiène po na tolonga bokono oyo na mboka na biso. Nabwaki mbela na bandeko nyonso. Bandeko na ngai tosungana. Baye oyo bazangi na mikolo oyo ezali koya ekozala pasi. Biso banso tosimba na maboko. Bokono oyo tokolonga yango biso nyonso. Na yango esengi tosungana na moke oyo tozali nango toyeba kokabola na baninga po tolonga etumba oyo. Na lisanga nde tokolonga. Mes chers frères et sœurs congolais, c'est avec une profonde émotion que je viens d'apprendre que près d'une trentaine de nos concitoyens résidant au Royaume-Uni ont quitté la terre des hommes au cours de ces deux dernières semaines seulement. La plupart d'entre eux ont été emportés par le coronavirus. C'est ainsi qu'au nom de l'ensemble de la communauté congolaise, du Royaume-Uni, de l'Irlande, de la Norvège et de la Finlande, je viens présenter nos condoléances les plus attristées aux familles éprouvées. Mes frères et sœurs, prenons tous conscience que le coronavirus se tue réellement. C'est ainsi que, en ce moment difficile que traversent toutes les nations de la planète, j'en appelle à la solidarité, à la communion d'esprit et à l'unité de tous les Congolais pour qu'ensemble nous puissions sortir de ce fléau la tête haute. Notre solidarité peut se manifester
par nos prières envers les familles éprouvées, nos messages de soutien et d'encouragement et de souhait de prompte guérison pour les personnes infectées, ainsi que l'assistance sociale, bien sûr, le tout en respectant les directives du gouvernement britannique. Mes chers frères et sœurs, votre ambassade à Londres se tient aux côtés de vous en ce moment, comme une mère, afin d'apporter le soutien nécessaire dans la mesure du possible. Restons donc unis dans la prière et prenons tous soin de nous-mêmes. Nzambe aponi ngai nakamba Congo, Congo ebonga, ba Congolais babonga. Congo is back avec Fatshi. Longtemps isolé du reste du monde, la République démocratique du Congo est de retour sur la scène internationale. Congo is back avec Fatshi. Fatshi en tournée internationale. Les moments forts de ses visites présidentielles. Des interviews ainsi que des images inédites. Un de nos projets, c'est dans le secteur du transport. Comme le chemin de fer, c'est la clé pour le développement industriel pour le Congo. Ça, c'est un projet. Un autre projet, c'est dans le secteur de l'énergie. Et j'ai pris l'engagement de faire de la République démocratique du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Je ne m'arrêterai jamais de sillonner le monde pour que cette paix soit une réalité dans notre pays. Grâce à ce film documentaire, vous allez comprendre la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, pour son pays, qui est la République démocratique du Congo. Congo is back avec Fatshi, une réalisation de Faustin Massola, bientôt sur vos écrans. Je prends le serment ici et vous promettre que jamais je ne trahirai le Congo. C'est fait. Ce geste symbolise le lancement de la distribution des cahiers d'exercice à tous les élèves de la République. Une cérémonie qui intervient 48 heures après la validation du contenu de ces livrets par le ministre d'État. Ces outils viennent donc répondre à un besoin qui se faisait ressentir. Ces cahiers viennent répondre aux attentes fortes des parents, aux inquiétudes des parents. Les parents qui considèrent que comme leurs enfants ne vont plus à l'école, ils croient qu'ils seront abandonnés. Mais nous, au niveau du ministère, le vice-ministre et moi-même et tous les services, nous sommes en train de réfléchir. Nous avons d'abord lancé officiellement la classe télévisée. Nous avons aussi contacté d'autres chaînes de radio pour que ces enseignements arrivent jusqu'au fin fond de l'espace de notre pays. Ainsi, tous les élèves des écoles publiques comme privées pourront bénéficier d'un enseignement de qualité tout en étant à la maison. Au niveau de l'école maternelle, un cahier avec 39 planches et 189 exercices. Au niveau de l'école primaire, 3 cahiers avec 152 exercices. Pour le degré élémentaire, 272 exercices pour le degré moyen
et 270 exercices pour le degré terminal. Lors des 7e et 8e années, il existe un cahier avec 157 exercices pour les classes de première et deuxième année des humanités, équivalent aux classes de 3e et 4e secondaire. Il existe un cahier avec 146 exercices pour les classes de 3e et 4e année des humanités, équivalent aux classes de 5e et 6e secondaire. Il a été élaboré un cahier avec 274 exercices. Le ministre d'État Willy Bakonga a par ailleurs tenu à féliciter les enseignants, inspecteurs et experts de l'EPST qui ont contribué à l'élaboration du contenu de ces cahiers. Des dispositifs sont d'ores et déjà mis en place pour la distribution de ces livrets dans toutes les provinces. Alors que le monde se trouve dans la tourmente, rappelez-vous, le jour où nous avons scellé un nouveau pacte avec Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, ta parole déclare que si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne des mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Ce jour où nous avons confié la nation entière entre ses saintes mains, je dédie solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Avec une pensée pieuse pour nos compatriotes d'Uvira et de Malemankulu, où que vous soyez, qui que vous soyez, peu importe votre religion, votre prière compte tant que vous y accordez une foi ferme, même loin de vos lieux de culte. Dans le strict respect des mesures barrières contre le coronavirus, demeurons unis dans la prière. Je demande à toutes les confessions religieuses d'être en union de prière, d'implorer la miséricorde et la grâce divine en faveur de notre pays et du reste du monde. Que Dieu protège la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Bonjour, Isa Divine Biologique, Isa sur le terrain à Wenze à Bambou, la commune Yakisesh, qui est sensibilisée par le côté de la zone contre la pandémie. C'est pour ça que vous avez une superficie à la piscine. Je suis mis à la zone pour me poser des questions. Et après, peut-être que vous avez un terrain pour me poser des questions. Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison.
kolinga miso olobi ozanzambe na ngai yesuwe 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 aloba lisusu nini yesu kuna masosa elingai etininga na katola nzambe Zazale, Yesu. Kujambola ni corona mai, mukola mutazo tambora na koya beton. Zazale, Amara ya Yesu esa mystique, manyemo bakimo kayo. Zazale, Yesu. C'est toi, Jésus. Nous bénissons ta présence au milieu de ton peuple, ô roi. Merci, Jésus. Nous vous bénissons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Bienvenue Messalin. Je suis pasteur dans l'église Adig Aise et nous évoluons là-bas avec le pasteur Emmanuel Boulakuyo.
Alors que Dieu vous bénisse, avant d'abandonner un message dans le lot, nous avons un message que nous connaissons dans le bas, parce que c'est très important. À des moments comme ceci, nous voulons vraiment parler et toujours nous sommes comme vous. Nous avons dit l'année et Sengeli. Alors Dieu m'a fait grâce, il y a un lot de lots, il y a vraiment l'église et belé le lot, toujours quand on a un problème à cause de ou toujours une imitation ou peut-être envie et le mot bonigo ça là et pourquoi dans le bango ils avaient makambo batu balinga vraiment au bango te mais à des moments comme ceci nous voulons vraiment tous à la vraiment alignement avec Dieu parce que je vais parler de la sacerdoce donc nous c'est ngabatu nous sommes en alignement et que tous on a vraiment dans nzela et lelo na zomu na ebele na l'église lelo Rose à la vous en église. Je prends l'exemple de notre église là où j'évolue chez l'apôtre Anderson Gombo. Azali visionnaire ya Adik. Visionnaire Azali une église. Ezayé mutazaki vision. Ceux qui azan na ba branche quelque part ba branche Azali belé. Mais ce que vous avez passé na katia branche moko bola na rabbi vous avez passé na katia branche moko. Que ba pesio responsabilité à branche wana. Ce n'est pas dit que ma PC église ouane comme il parce que tu n'es pas les visionnaires. Donc tu as responsabilité au travailler aux mouvements na série nous parce que on t'a fait confiance. Et l'autre zone mona ba église au pendant pourquoi? Na zone bon parce que j'ai des preuves et il fallait rana le bas parce que Dieu m'a donné la bouche pour parler. Au moins na yusi ko tant na zo ka exemple de église parce que je vais parler ne t'a ni quoi dire. Mon ami pasteur Patrick Azana Manchester, dans l'église Adik dans Manchester. Je suis un exemple. Quand on est dans l'église Adik dans Manchester, donc ce n'est pas dit que ceux qui vont payer ses offrandes, n'a pas dit, n'a pas blo, nous sommes pas payés, ça va, non, non, normalement, n'est-ce pas, et il fallait offrandes, nous sommes bons, nous il fait que dans l'église mère, n'est-ce pas, vraiment, Isaac. Bon, il fait que l'église mère, place à compte Isali, basan à compte à Magam, tu fais que n'est-ce ce qui pasteur au azali pasteur donc la branche ou la branche moi pécio il y a assemblé mon robot a comme il lo bagete mon début se pende to za il faut le capitaine ça la compte na biso aza faux pasteur la bandeli ce qui pasteur ba pécio responsabilité l'église mon son le visionnaire a pécio responsabilité yo quel est sur la province na lobika Manchester net la pécio exemple parce que pasteur Patrick il était mon dirigeant tant de zagna koval là dans les années 90, dans les Wana, que pasteur Wana, à l'obligité, Moni, n'est-ce pas, abuse de nous en raconte, il n'a plus ce mot. Aza fou pasteur, donc, ce qu'on kébite, je te dis, il faut tout le bango, à quoi qu'il ne l'y fait le, parce que, a t'y envie dans la carte. Non, ma bon point, hier, j'étais avec une sœur, à ça, ma église, moi, il y a un Nigérien, il y a un Nigérien congolais, à ça, ma église, il y a un Nigérien. Na moni a sali transfert ya ya dara debit na ina na compte na oh mieux sali transfert donc église za te habité biso to changa na biso nga jusqu'au congolais son église ba congolais osa te so ba chili bino ba compte za bolo ba eh mi yibi bo finga wo finga me ah tan nozo to sa nozo ke ni gabi no moni biso branche na biso église na sala Southton Dominion Church mais bazana église mère na bango za na Wood Green pasteur wana je le connais Azape pasteur ya Ghana ya Nigérien azape pasteur na quatre églises wana alobi pasteur na biso bambongo nyoso ko tchaka na bo fond na ba dit et ki na une église mère donc yekuta yebine et donc makambone ki na une église mère donc cela veut dire pas père spirituel na ezala ngenge wana na bi bon sunenge ni Dieu m'a fait grâce ya osala collection osala ba collection ya église wa bengi nini Ils en Australie, église il y a pasteur il y a Brian Austin, église nango base nango en Australie, ah puis basan la branche na bango na centre ville wana, donc église wana c'est quoi? Ngana qui na collecte mbon na bango, soit basan li ba collection na bango ya église, baso ango ba ke ba bumbiyon na safe, na banque ité, ba bumbiyon na safe. D'autant na zokende na koti na bengi ba pesinga code do na okita na sea basement netika izanga na film okita na sea basement so fongoli code ozui ba mbongo na bamba cha bamba la ngo de jezali ezozo nga na Australie zokena Australie e place église mais ezali
Comment on t'en a la bonne prêcher, Gokoya? Donc, pasteur, la pasteur, on comme les bruyants, Austin, Botalango. Donc, l'église est ça, mais pasteur, on a bon, ça la tête que notre fond, ça peut compter, on a dit, on a dit, voilà pourquoi on a zolo baké, il faut nous zonga, on a alignement, on a ramené en Zambé. Il y a un zombie, on a l'île, l'église, pasteur, il y a comme là-bas. Na ubanga banga oye batu mingi pe basala eloko wana bakinda izali kwa niti ndiko muna na Manchester ba azwa eglise na batinda ye donatangi vima eglise batinda ye na konti ya eglise mangembo batinda ya kekuna azo sanga azo sala makamutu me azaki na difficulté ya kopesa kaba mbongo ndengo sala ba koleksyo po yaka na awa na kati na Londres isala kamu bulu jiska seke abimi rebelle asala a changer na ekombo ça c'est la rébellion et na lobby ngo me na olinga na lobby ngo mingi ntana olika na télévision alors ah c'est qu'on a été à moi message je parle na le baron parce que je veux parler de la sacerdoce c'est un message mon très important il faut na comme ça batna nzela so za na idée wana yoza passer batio na père na yo ya molimo quelque part ozulinga pe ko fondre ça compte pour bosser la bagera et ça déjà ba faux idée et ça la bonté. Alors, tu as vu que tu as vu la TV, alors tu as vu la télévision, tu as vu la MTV 711 chaque samedi à partir de 14h et tu as vu la. Alors, cet après-midi, j'ai un message très important. Je vais parler du sacerdoce. Et ensemble, nous allons prendre la Bible dans notre. La Bible dans le chapitre 9 de Daniel et nous prenons les versets 27. Daniel 9, 27. Nous lisons ensemble. La Bible dit ceci. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Permettez-moi un peu de faire la lecture commentée. Il est là, c'est l'impie. Donc, en d'autres termes, c'est l'adversaire, le diable. Il. Donc, c'est l'impie, c'est l'adversaire, le diable. Donc, le diable, donc, en d'autres termes, l'antéchrist fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Les dévastateurs, l'impie, le diable, donc le fils du malin, commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Alléluia. Là, on est en train de parler de l'impie, les œuvres de l'ennemi. Daniel 9, il y a un verset prophétique. Et me dit dans le bac dimanche passé, un verset prophétique, il y a un peu moins difficile, mais il y a vraiment compliqué. Mais au Seigneur, il faut y aller. Nengeni nza mazolo ba iloko ni nza mazolo ba parce que ça va lourd mo za sensible pour na ote yango. Ici la Bible parle de l'impie. Donc la Bible parle la verset de l'antéchrist qui signifie comme Christ. Ce n'est pas antichrist qui est contre Christ, mais c'est l'antéchrist. Merci mon frère hollandais Manaka depuis l'Hollande, que Dieu te bénisse. Ici la Bible parle de l'antéchrist qui signifie comme Christ. Donc je ne parle pas de l'antichrist, mais je parle de l'antéchrist. Azo sala nenge nzambe kakazala. Donc